je peux vous en donner les grandes lignes. Hein. C'est un programme pour la paix, pour l'écologie, pour la solidarité entre les peuples. Mais on a surtout envie de t'entendre sur cette partie culture qui n'est pas encore développée dans le programme. Alors, sur la partie culture, comme l'a dit Marie, l'idée, c'est que moi, cette rencontre en culture insoumise tout autour de la France, elle s'appuie bien sûr sur cette... nous, les 17, nous allons aider et mettre le bleu de chauffe pour que nous ayons le maximum de députés à Bruxelles. Donc on va tous s'y mettre et donc je vais moi m'occuper de cette partie culture. L'importance de la culture, c'est pas de connaître l'entièreté du répertoire du théâtre français. C'est bien si vous le savez, si vous connaissez, tant mieux pour vous. Moi, j'en connais pas 1%. Et ça, dans chaque domaine culturel, parce que l'art, peut-être que 0,01% de la culture. La culture, c'est pas mal d'autres choses aussi. La culture, c'est par exemple donner les moyens, c'est transversal la culture, c'est donner les moyens aux gens de connaître leurs droits. Tout simplement, c'est-à-dire de pouvoir accéder à leurs droits. Aujourd'hui, il y a 42% des Français qui ne demandent pas, qui n'ont pas le RSA parce qu'ils ne l'ont pas demandé, tout simplement. Et donc c'est un problème d'information. L'information, tout ça, les médias, tout ça fait partie de la culture. Et donc la culture est transversale. Autant la culture peut aider sur la réflexion, on va effectivement dans la recherche, des choses comme ça, autant la culture est transversale au niveau de tous les citoyens et les citoyens. Nous voyons la culture synonyme d'émancipation. En Marche, la voie comme synonyme de consommation, notamment avec le pass culture, c'est-à-dire l'individualisation de l'accession à la culture. Vous savez ce que les Italiens en ont fait du pass culture, un business, quoi. Ben, forcément. C'est-à-dire qu'ils ont un chèque de 500 euros, ils l'ont revendu, et voilà. Donc à partir de ce moment-là, c'est absolument ce qu'il ne fallait pas faire. Il fallait prendre la chose dans son ensemble. Je ne sais pas, si vous voulez que les gens aient le cinéma, il faut qu'ils aient que ce soit accessible. Moi, je suis un ancien président d'un festival de théâtre. La première chose que j'ai faite, quand je suis arrivé à ce poste, j'ai baissé le prix des entrées. Quoi. Voilà, le truc, on m'a dit, mais là, tu vas couler. On n'a pas coulé, on a eu plus de monde, parce que plus de monde pouvait venir. Voilà, et puis, on a rendu accessible, c'est-à-dire qu'on a dit que la culture, c'est... Nous avons décrété que le théâtre était dans la cité, point à la ligne. C'est-à-dire que le théâtre, c'était aussi important, la culture, est aussi important que de se nourrir, de s'éduquer, tout ça. Voilà, ça faisait partie d'un tout. Et en plus, comme je vous l'ai dit, c'est transversal. Parce que la liberté d'être, c'est pas la liberté de consommer. Hein. C'est la liberté de consommer, c'est autre chose. Voilà. Vous pouvez consommer dans des pays absolument totalitaires, vous avez les moyens, on vous donne les moyens de consommer, surtout de goûter. Bah, ça va bientôt venir aussi. On sera là pour dire, effectivement, stop, nous, on veut plutôt la liberté d'être. La culture, ça apprend, par exemple, le discernement. Là, on a fait une loi sur les fake news, sur les fausses nouvelles. C'est une loi, c'est une loi juste... on n'aurait pas dû dire loi fake news, on aurait dû dire loi contre la Russie, contre deux médias russes, Sputnik et Russia Today. Voilà. Ça arrive des États-Unis, et comme... Emmanuel Macron est très attentif, hein, il regarde très attentivement ce qui se passe outre-Rhin et outre-Atlantique, et il essaie de voir comment on peut adapter ça en France. Et voilà, donc à partir de ce moment-là, lui s'est dit, voilà, on va faire une loi, on va devancer ce qui se passe, et on va faire une loi pendant les périodes électorales, où on va dire, ça c'est une vraie nouvelle, ça c'est une fausse nouvelle, donc on va faire un ministère de la censure. Et je me rappelle d'avoir été à Bruxelles pendant l'époque où ils concoctaient cette loi, et avec 20 députés de la commission culture, et donc j'étais le seul insoumis, et nous sommes reçus par le vice-président de l'Union européenne, et qui nous dit, monsieur Hansic, je crois, et qui est donc un letton, enfin, il est des États-Baltes. Et il nous dit, alors il écoute le laïus du président de la commission culture, un marcheur qui court, et qui lui dit, voilà, nous, on va faire attention par rapport à ce qui s'est passé, on va regarder les nouvelles, on va les filtrer, et tout, et le type lui dit, ouais, alors, attendez, parce que moi, jusqu'en 1991, il y avait un ministère de la censure chez moi. Donc jamais j'appuierai ce genre de démarche. Voilà. Donc derrière, Bruxelles l'a fait autrement. Vous verrez, je vous parlerai de petites choses sur la directive SMA, où... les Français, pour le coup, avaient œuvré dans le bon sens, même si ce n'était pas nous qui étions manettes.
mais où ils ont accepté finalement de reculer dans le mauvais sens. Alors, la culture, en fait, ça participe à l'égalité des droits, tout simplement. C'est pour ça que c'est très important. Et maintenant, je vais rentrer dans l'action de la communauté européenne au niveau culturel. Vous allez me dire, ça va être vite vu. Eh bien, pas tant que ça, parce que la culture, c'est quand même... ça génère un flux financier énorme, énorme. Et en plus, la culture, ça... Oui, il y a des gens qui construisent, qui fabriquent des disques et des choses comme ça. Mais avec l'Internet, c'est immatériel. Et donc, c'est juste quelque chose... C'est une entreprise pour l'Europe libérale que nous connaissons. C'est une entreprise de service avec laquelle on peut faire un très, très gros bénéfice. Alors, tout ceci est en train de s'organiser, pas forcément dans le bon sens. Et donc, le programme, il s'appelle Europe Créative. Et ce programme Europe Créative, aujourd'hui, pour fonctionner, c'est-à-dire de la part de l'implication de l'Union européenne dans le développement culturel, c'est 1,46 milliard, mais de 2014 à 2020. Donc, vous divisez ça par 6 pour l'ensemble de l'Union. Par contre, après, sur les dividendes, c'est beaucoup plus. Là, vous pouvez rajouter environ 2 euros. Ce budget-là dont je vous parle, c'est 0,15% du budget global de l'Europe. Voilà la part de la culture dans l'Europe. Vous voyez, par rapport à l'importance que je vous dis qu'on devrait accorder à cet espace culturel, qui est bien plus large que la diffusion de films ou de disques, je pense qu'il y a là une disproportion, pas les enjeux. Je pense que les citoyens n'ont pas compris, c'est vrai qu'ils n'ont pas compris, ils n'ont pas mis le doigt sur les enjeux de la démarche culturelle. Par contre, les GAFAM et tout ça, ceux-là ont très très bien compris de quoi il s'agissait. Et donc, ça fait 200 millions par an, et dont la moitié, bien sûr, est fléchée sur le cinéma. Donc ça fait 100 millions pour le reste de l'activité culturelle. Alors, quand je vais dire activité culturelle par rapport à l'Europe, et par rapport donc aux collectivités territoriales, il s'agit donc là de l'action culturelle. Et vous savez, vous, que pour les collectivités territoriales, le budget de la culture, c'est la variable d'ajustement des budgets. Voilà. Parce que je disais donc en interview, c'est que, en tant que président du festival de théâtre, je pesais environ 25 mètres de route goudronnée départementale de voie. Et oui, parce que si on a besoin de ces 25 mètres, c'est sur mon budget qu'on prendra. Donc ça veut dire que d'abord, il y a la voirie et tout ça. Alors après, hein, ce sont des choix politiques. Hein. Quand on sera au pouvoir, ces choix politiques, on les changera peut-être. Et donc, cette Commission européenne est inactive face aux GAFAM parce qu'ils ont pris une telle ampleur, ils ont une telle puissance financière que là, ça fait très très peur. Parce qu'ils ont des moyens de coercition sur la diffusion de l'information qui peut être très très grande. Donc là, on a les GAFAM. Alors, madame, les GAFAM, c'est encore un acronyme. C'est Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Voilà, on est de très très grosses sociétés qui, tiens, par hasard, sont toutes américaines. Et donc, ils édifient des espèces de monopoles de la diffusion culturelle en ligne, avec des marges surtout, hein, bien sûr. Et puis, non seulement des marges, mais en plus, ils posent les protocoles de diffusion de la culture, c'est-à-dire qu'ils la diffuseront, ils diffuseront ce qu'ils ont envie de diffuser. C'est un petit peu comme Netflix, donc ça veut dire que vous serez, vous, d'une part, consommateur, mais orienté en plus. Consommateur orienté, et en plus, consommateur orienté, dont tout le fichier sera diffusé, commercialisé, à d'autres entreprises qui voudront vous vendre, notamment, soit une machine à laver ou d'autres choses, des habits, c'est bien, les habits. Donc, ces GAFAM s'approprient donc toute la production, la vente, les données privées des consommateurs, j'en ai parlé, et surtout, ils imposent ce rapport de force qui est hyper déséquilibré aux artistes, aux musées et aux salles de spectacle. Un artiste qui veut être diffusé un peu plus largement, il est obligé de passer par... s'il ne veut pas passer par du major, il doit passer par des plateformes Internet qui sont devenues des plateformes dites libres, qui sont devenues, in fine, des majors, mais sur la toile. C'est le même fonctionnement des majors, c'est-à-dire que c'est le quantitatif, et on prend la marge sur le quantitatif. Effectivement, on prend une petite marge, mais quand vous diffusez... je ne sais pas, moi, 2000 artistes et qu'ils sont entendus 10 000 ou 100 000 fois, et ben même si vous prenez un centime, à la fin, ça fait des millions. Hein. Donc, voilà. Ce qu'il y a, c'est que le deuxième effet qui se coule de ces gens-là, c'est que non seulement
ils profitent de cette diffusion culturelle, mais il n'y a aucun reversement de ces profits financiers sur les étapes sur lesquelles ils fonctionnent. Voilà, et là, vous allez voir, je vous parlerai un petit peu là, de la directive SEMA, et dans cette directive SEMA, notamment, il y avait l'exception culturelle, les 30%, c'est-à-dire que c'est une directive qui dit, bon, ben voilà, on va organiser tout ça, il y aura 30% d'exception culturelle européenne. Donc voilà. Alors, chacun s'organise, chaque pays s'organise comme ça, là-dessus, et puis certains vont prendre les 30%, d'autres non. Et c'est-à-dire que, comme c'est l'exception culturelle européenne, je ne sais pas, certains pays de langue germanophone ou germanique ou française ou espagnole, voilà, donc vont regarder, ils diffuseront des programmes en langue française, mais dans un espace culturel qui va être beaucoup plus large. Donc ça veut dire que l'exception culturelle, elle est européenne. Alors il y aura un dumping à l'intérieur de cet espace lui-même. Cette Union européenne, elle fragilise en ce sens la culture, et cette directive, elle touche carrément à la propriété intellectuelle, au droit d'auteur, au statut de l'artiste, et aussi à l'enseignement artistique. Voilà, donc comme de toute manière la France et l'Europe se désengagent complètement de l'enseignement artistique, il y a, nous on n'arrête pas, on va voir des écoles d'art, on a des gens qui sont dans ces écoles d'art sous des EPCI, des EPCC, du ministère de la Culture, du ministère de l'Éducation nationale. Alors on a une espèce de patchwork et on arrive à l'intérieur de ces structures, notamment les Beaux-Arts de Toulouse, où on a des classes qui préparent au master, et avec des enseignants qui ne sont pas en capacité de le délivrer. Donc voilà, parce que c'est une EPCC, donc ils n'ont pas l'agrément de l'éducation nationale pour pouvoir délivrer le master qui sanctionne les études qu'ils produisent. Voilà, c'est un truc fabuleux, mais c'est comme ça. Et donc, chaque année, il y a une niche. Une niche parlementaire, c'est un espace-temps où vous allez défendre en commission et dans l'hémicycle des projets de loi que vous allez initier. Et donc, ben, je vais en avoir un sur les droits d'auteur et la création d'un domaine public commun du droit d'auteur. Alors, on veut le faire du mieux possible, et de manière à ce que lorsqu'ils ne le vanteront pas, ils se soient responsabilisés pour l'acte, c'est-à-dire le fait de ne pas l'avoir voté, pas pour le fait qu'il soit anticonstitutionnel ou soit qu'il tombe sous le coup de l'article 40. L'article 40, c'est qu'il coûte quelque chose à l'État. Anticonstitutionnel, si on avait privé d'une partie des droits d'auteur les gens, on serait tombé dans quelque chose d'anticonstitutionnel, le droit de propriété. Puisque dans les droits d'auteur, il y a aussi un droit moral, c'est un droit de propriété. Et le droit d'auteur est considéré comme une propriété. Donc, nous avons décidé de passer plutôt par une taxe et de créer un domaine commun, un domaine public commun, pour récupérer des fonds qui abonderont un fonds de création artistique. En fait, l'idée, c'est de donner un statut social aux artistes. Voilà. C'est de prendre la chose dans son ensemble et de dire, comme on l'a dit pour pas mal de choses, ce que j'ai dit à la tribune, c'est que nous sommes 67 millions ici en métropole et un peu plus avec l'ensemble de la communauté française ailleurs. Il y aura toujours des jeunes gens qui voudront être ingénieurs aéro, des gens qui voudront être boulangers, charpentiers, et on a besoin de poètes, on a besoin d'artistes. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut que tout le monde puisse avoir un statut social à l'intérieur de cette République pour qu'il soit inscrit dans le fait d'être peuple, donc république. Cette proposition, elle existera après la mort de l'auteur. Et on est beaucoup plus souple que Victor Hugo. Hein. Victor Hugo, lui, disait, à partir de la mort de l'auteur, ça appartient au domaine public, basta. Nous disons que de la 15e à la 70e année, il peut y avoir là une rétribution d'un fonds spécial dédié à la création artistique et surtout à la protection sociale des artistes. Après, c'est un peu plus compliqué, mais voilà un petit peu comment ça va s'organiser. Donc, nous ne spolions pas de droit pendant le vivant de l'artiste. C'est après. Je vais vous parler aussi du fait de cette Union européenne qui, elle, veut absolument, là comme ailleurs, briser les services publics. Je dis bien briser les services publics. Et donc favoriser, et là c'est beaucoup plus facile parce qu'il y a beaucoup d'argent à se faire, favoriser l'émission du mécénat
et donc du privé à l'intérieur des actions culturelles. Ça va très très loin. C'est-à-dire que, comme ça, bien, écoutez, M. Pinault peut avoir le Grand Palais pour faire une exposition des valises Vuitton. Pas mal, quand même. Et en disant, c'est de l'art. Et oui, moi, il y a des artisans d'art qui ont fait les choses et tout ça, mais enfin, il y a surtout des gens qui, eux, ne travaillent pas beaucoup et qui en grangent des dividendes sur le travail de gens qui, eux, ont beaucoup travaillé. Et donc, nous avons donc ce genre de choses, et puis, ça va beaucoup plus loin, puisque dans les grands festivals, on a, lorsque on sponsorise ou on est mécène d'un grand festival, eh bien, on arrive à influencer la programmation de ce festival. Et avec les dérives, donc, c'est-à-dire que on n'est pas très très loin et on y arrive tout doucement de ce que disait l'ancien président de TF1, vous êtes un temps de cerveau disponible, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on vous vendra ce qu'on a envie de vous vendre. Et ce n'est pas du tout notre proposition. Le festival comme promotion. Oui, voilà, exactement. Ça va être, le festival sera un objet commercial de marketing. Ouais. Dans le sens où notre combat est indissociable de la lutte contre la marchandisation de la culture, comme de l'éducation et de la santé notamment, nous allons fortement appuyer le maintien d'une exception culturelle au niveau national comme européen. Pourquoi ? Parce que l'exception culturelle, il ne faut pas seulement le voir comme exception d'une langue ou des choses comme ça. C'est l'exception par rapport au marché. C'est de dire que la sculpture doit être une exception par rapport aux règles du marché. Elle ne doit pas être considérée comme une autre marchandise. Elle est là, l'exception culturelle principale, celle que nous défendrons. Il y a effectivement une exception culturelle pour la diffusion d'artistes français, mais surtout, pour casser cette marchandisation, c'est de dire que la culture ne peut pas être mise au même point que la vente de voitures, de choses comme ça. C'est ce qui se passe en ce moment. Voilà. On a donc cette caractéristique qui est quelque chose qui n'est pas du tout envisagé, mais absolument pas du tout envisagé par le gouvernement actuel qui, pour lui, il est dans le paradigme financier absolu. Donc à partir de ce moment-là, lui, ce qui l'intéresse, c'est de pouvoir se désengager un maximum et que la chose fonctionne quand même pour qu'on ait un semblant de diffusion culturelle. Et puis, en s'en désengageant, il dit « mais c'est pas moi qui suis responsable de ce que vous regardez ». Voilà, donc ça, c'est le changement de paradigme. Je vais mettre deux petites secondes là-dessus. C'est-à-dire qu'avant, en République, l'État était responsable devant ses citoyens et responsable du bien-être et de la cohésion de cette République, donc la cohésion de son peuple, donc responsable de ses citoyens. Maintenant, paradigme est inversé, c'est-à-dire que vous êtes responsable de vous-même. Si vous êtes malade, c'est votre faute, et si vous n'avez pas de retraite, vous n'aviez qu'à la faire. Voilà, donc c'est un petit peu comme ça que les choses vont évoluer, malheureusement, pour l'instant. Mais attendez, on arrive dans 3 ans, on sera là. Ensuite, par rapport à l'Europe, c'est de faire de la liberté d'expression et la liberté de la presse un critère d'entrée dans l'Union européenne, et non seulement d'entrée, mais surtout d'y rester. C'est une de nos propositions. Et ce serait un critère obligatoire, parce que l'entrée maintenant dans l'Union européenne, je pense qu'aujourd'hui on va être plutôt dans la sortie. D'ailleurs ça a commencé, et je pense que ce courant d'air va se poursuivre plus à l'est. Et puis après on verra jusqu'où ça ira, mais enfin en tout cas la porte est ouverte. Transposer aux artistes et aux techniciens du spectacle, bien sûr, les mesures d'alignement par le haut des minimums salariaux. Réorienter donc ce budget d'Europe créative par l'institution de structures européennes de travail d'artistique commun. Ça aussi, c'est très important. Il y a des rencontres artistiques, des échanges artistiques à faire, comme il existe d'autres échanges dans d'autres domaines, dans l'éducation, dans le business, mais il peut y avoir, dans cette exception culturelle, une mise en place par l'Europe d'échanges culturels véritables, mais via un domaine public, pas via l'orientation d'un mécénat. Le mécénat, j'en ai parlé. Cette exception culturelle, pourquoi ? Je vous en ai parlé aussi. Et pour pouvoir poser cette exception culturelle, la sortir et garder un espèce de service public européen de la culture, eh bien, il faut bien trouver de l'argent. Mais cet argent, si, depuis le temps, là comme ailleurs, on pouvait taxer justement et légitimement les GAFAM pour les profits qu'ils font dans nos pays, ce serait juste suffisant pour faire beaucoup de choses, et entre autres, celle-là. Derrière, briser donc les monopoles verticaux et horizontaux qu'ils essaient, eux, de poser
dans le domaine culturel. Et il y a quelques mesures tout à fait pragmatiques, comme rendre légal le financement de la diversité culturelle en ligne et possible des plateformes alternatives non marchandes. Parce que là, effectivement, en ce moment, c'est assez légal, non, avec le principe peut-être de licence. C'est quelque chose que nous devons faire, et notamment par rapport aux droits d'auteur, pour être en cohérence avec l'ensemble de nos propositions de l'avenir en commun. Nous avons des gens qui travaillent sur les droits, sur la diffusion culturelle et les licences libres. Et si nous sommes entre 15 et 70 ans sur le droit d'auteur, après, les gens peuvent être en licence libre, et même pendant, il suffit juste que l'artiste, avant sa mort, décide de faire don de ses droits, et ça se passe dans le spectacle. Moi, j'ai pu, grâce notamment à Claude Nougaro, pouvoir renflouer une fois les caisses du festival, et merci à lui, parce qu'on était très très mal. Et en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que je peux répondre à toutes les questions qui ont été peut-être soulevées par ce que je viens de vous exposer. En tout cas, pour vous dire qu'on est là, à l'œuvre aussi là-dessus, et c'est un domaine très, très, très important d'un point de vue citoyen, d'un point de vue d'émancipation, et aussi d'un point de vue financier, vous comprenez très, très bien, les sommes qui sont mises en jeu sont colossales. Au niveau des médias, j'ai vu que, là aussi, nous avons comme idée de proposer la création d'un conseil de déontologie. Sur les fake news, nous, ce que nous avons dit, c'est les fake news, il y a deux solutions hein, pour lutter contre les fake news, c'est de responsabiliser les gens, donc de mettre en place un conseil de déontologie, comme il en existe en Belgique, en Canada et dans 100 autres pays. Et puis, l'autre manière, c'est aussi d'apprendre le discernement à l'école et ailleurs. Donc, c'est-à-dire, quand on a une information, être capable, et c'est là que la culture est très, très, très importante, très, très, très importante. L'accès à la culture. Parce que l'accès à la culture, c'est l'accès à l'émancipation, c'est l'accès à la possibilité d'avoir du discernement dans la consultation des informations. De dire ça, ça a l'air à peu près vrai, ça, ça a l'air à peu près faux. Et sur les médias, notre position, c'est la création d'un conseil de déontologie, Nissen a dit, ouais, banco. Moi, ça fait 3 mois que Studer, Bruno Studer, qui est le président de la commission culture, a dit, mais vas-y, on attend, vas-y, propose un truc. Donc je vais faire, là aussi, une proposition de loi sur la création d'un conseil de déontologie journalistique. Alors, un peu plus costaud que ce que je veux faire le syndicat national des journalistes. C'est-à-dire que le syndicat national des journalistes, lui, il dit, ouais, on va faire un truc comme ça, et si jamais il y en a un de chez nous qui déconne, alors à ce moment-là, on le dira dans le journal, oh, il a déconné. Mais ça suffit pas, parce que l'autre, il dira, ouais, bon, c'est pas très très grave, voilà, et à la rigueur, ça va lui faire de la pub. Non, c'est qu'il y a quand même 1,4 milliard qui sont affectés en subvention à la presse. Hein. Et donc, c'est là-dessus hein, qu'il faut jouer. C'est-à-dire que la première fois, on dira oui, effectivement, on va l'insérer dans les journaux. Cette nouvelle n'est pas exacte. La deuxième fois, on dira attention, là, on va vous prendre 10% sur les subventions que vous avez. La troisième fois, et ça peut aller jusqu'à la suppression des subventions, vous verrez que les gens vont faire attention. Et ce n'est pas aux journalistes. Il faut taper là où ça fait mal au portefeuille. Chez les patrons de presse. Donc après, les patrons de presse, ne vous inquiétez pas qu'ils iront voir leur journaliste, s'il y en a un qui déconne, en lui disant, là maintenant, faut voilà. Et puis, surtout, il y a des principes fairness qui ont existé aux États-Unis de 49 à 80. Il y a un principe qui s'appelait fairness, c'est-à-dire que lorsqu'on livrait une information sur un plateau télé ou une radio, on avait obligation d'installer dans la même émission un moment de contradiction de cette information, voilà, avec un autre intervenant. Voilà, il y a des choses comme ça qui existent pour qu'on ait effectivement une pluralité. Et puis, il y a à jouer aussi sur la pluralité de l'information quand on sait que 9 milliardaires détiennent 90% de la diffusion de la presse en France. Voilà, donc voilà un petit peu sur la presse, sur les médias, quelles sont nos positions. Alors je vais repartir. Toutes ces propositions qui sont liées à la culture, elles dépendent en fait en grande partie de ce qui se passe à l'Europe. Tu parles de loi du marché, tu parles de défense des services publics, tu parles de mettre en place des conditions de travail solidaires. Et en fait, tout ceci est lié en grande partie au traité européen, et notamment à un article, c'est l'article 63 des traités qui interdit le contrôle des capitaux. Donc cette interdiction des contrôles des capitaux, on voit bien que les GAFAM ont encore de beaux jours devant eux. Alors néanmoins, il ne s'agit pas simplement de poser ça comme un acte, hein. Vous savez, c'est un programme, sortir des traités. Je vais essayer ici vraiment d'expliciter pourquoi est-ce qu'en ce moment, le contexte est vraiment favorable
pour la France insoumise et pour diffuser très largement cette sortie des traités. Alors pourquoi est-ce que c'est favorable? Parce qu'il y a deux événements très récents qui sont vraiment dans le sens de ce que la France insoumise défend depuis longtemps pour l'Union européenne et qui montrent que le débat ne s'articule pas, alors, contrairement à la petite musique qu'on entend beaucoup dans les médias, le débat sur l'Europe ne s'articule pas entre d'un côté les souverainistes et puis de l'autre on aurait les vrais Européens. Il faudrait savoir ce que c'est qu'un faux Européen. D'un côté on aurait les partisans de la nation, de l'autre les partisans d'une Europe fédérale. D'un côté les populistes, de l'autre les Européens convaincus, et encore les partisans de l'euro et les partisans du Frexit. Alors, je vous laisse mettre les partis politiques et les orientations idéologiques derrière ces appellations qui nous font, qui font beaucoup de tort en fait, quand on réfléchit à ce que c'est que l'Europe et ce que c'est que les traités, parce qu'en fait elles empêchent tout débat sur la nature de l'Europe. Tous ces éléments, c'est un élément clé du dispositif rhétorico-médiatique qui va verrouiller les discussions autour de le fameux TINA, there is no alternative, il n'y a pas d'alternative, la loi du marché comme seul horizon, et on ne peut pas faire autrement. D'ailleurs, on se rappelle 2005, c'est ces arguments-là également qui avaient vraiment forcé les choses pour mettre en évidence le projet européen, et aussi pour cacher tout ce qui relevait de l'idéologie du projet européen. Donc en fait, celles et ceux qui prônent ce type d'opposition mettent en place le fait qu'il existe une tension, mais en fait c'est plus qu'une tension, c'est plutôt une contradiction entre la démocratie et le marché. C'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut l'entendre, parce qu'en gros ce serait soit l'une soit l'autre. Sauf que cette alternative, elle n'existe que sur le plan de la logique. Alors pourquoi? Parce que quand on place le marché comme optimum, comme seul point d'horizon et comme point de départ et comme point d'arrivée de toutes les discussions et de tous les raisonnements, la mise en œuvre de ce dispositif, ça suppose vraiment d'en finir avec la démocratie, c'est-à-dire d'en finir avec tout ce qui relèverait d'une intervention populaire en démocratie. Alors là, on voit bien que par rapport à notre programme, ça c'est très compliqué, parce qu'au contraire, on vise à remettre de l'intervention populaire à tous les endroits. Alors qu'est-ce qu'il faut entendre par démocratie? C'est ce qui inquiète les libéraux en fait. C'est quand on parle de démocratie au sens du fait majoritaire. C'est-à-dire, si la majorité décide, ça veut dire que c'est peut-être les pauvres qui vont décider. Et à partir de là, ça pose problème, puisque si jamais on décidait, par exemple, une autre répartition des revenus, une répartition plus égalitaire, évidemment, la loi du marché tombe. Donc le risque pour les libéraux, c'est ça. C'est la majorité arithmétique qui deviendrait une majorité politique. Donc finalement, ce serait le fait de prendre ce que c'est que la démocratie au sérieux. Alors pour prolonger, je vais vous citer, c'est un économiste en fait, Jean-Paul Fitoussi qui dit ça. Lui parle de dictature éclairée, et il énonce que la dictature éclairée, c'est-à-dire une dictature qui va réprimer la demande sociale, c'est la forme de gouvernement la mieux adaptée à l'économie de marché. Je le cite encore, l'essentiel est que le marché soit libre et peu importe que les individus ne le soient pas. La tienne. Alors cette phrase elle est extrêmement forte et je trouve qu'elle résume assez beaucoup de choses qu'on vit actuellement. Et c'est la véritable construction, la véritable philosophie en fait de la construction européenne. Et bien évidemment, c'est un espèce de secret de famille bien gardé parmi les dirigeants. Donc toujours pareil, si vous essayez de développer là-dessus, on va vous renvoyer soit l'un, soit l'autre. Mais quand même, c'est bien de démocratie qu'il est question. Et en plus de ça, évidemment, on ne va pas nous parler de dictature éclairée, puisque tous ces dirigeants européens vont proclamer leur attachement à la démocratie. Et c'est en ça que c'est extrêmement pernicieux. Il y a un mot pour dire cette dictature, c'est un mot qui est omniprésent dans tous les débats sur l'Union européenne, un mot qu'on entend chez les écologistes, un mot qu'on entend sur les ruines, encore un petit peu chaude de Solferino, de ceux qui se disent encore socialistes, et un mot évidemment qui traîne, qui passe de bouche en bouche parmi les éditorialistes et les experts qui passent de plateau en plateau de télévision,
Et c'est ce mot qui verrouille tout dès qu'on le prononce, c'est le mot de traité. Pourtant, c'est vraiment les traités européens qui imposent une dictature éclairée dans l'Union européenne, une dictature d'ailleurs dont Macron, lui, n'est que le porte-parole, puisque tout son programme n'est que le copier-coller des espèces de recommandations de la Commission. Je vous renvoie très récemment à l'épisode des barrages, c'est assez génial. Il y a même certains pays qui refusent la mise en application de la privatisation des barrages. Macron prend les devants et décide, lui, de l'appliquer pour bien plaire, on ne sait qui, un petit groupe d'hommes dans leur bureau, très certainement. En tout cas, laisser la loi du marché au premier plan. Alors, pourtant, même si Macron, c'est une espèce de petit copiste de ce qui se passe à l'Europe, au niveau des instances de direction, lui aussi, il n'échappe pas aux recommandations. Alors, c'est là que je fais appel à l'actualité. Il y a deux événements très très récents. Le 19 octobre, le directeur général aux affaires économiques et financières au sein de la Commission européenne, voilà un titre bien sérieux, directeur général aux affaires économiques et financières. Alors, cet homme s'appelle Marco Buti. Je pense que personne ici, ou presque, ne connaît ce nom, mais pourtant c'est quelqu'un qui a un poids énorme, puisqu'il écrit à Madame Odile Renaud-Bassot, qui est directrice générale du Trésor pour la France, et il lui écrit le 19, et il souhaite une réponse le 22. Là, on voit la tâche technocratique qui se met en place. Et pour vous dire à quel point c'est important, alors je vais le citer lui aussi. « Madame, nous vous remercions pour l'envoi du projet de budget de la France pour 2019 que nous avons reçu le 15 octobre. » Donc il a mis 4 jours pour lire tout le projet de budget. « Conformément aux dispositions de l'article 7 du règlement numéro 473/2013, nous souhaitons vous demander des précisions sur le respect de l'effort budgétaire prévu par la France en 2019. » Et là, je commence les gros mots. « Au regard des exigences du bras préventif du pacte de stabilité et de croissance. » Règlement, exigence du bras préventif du pacte de stabilité et de croissance. Donc là, il y a absolument tout. Bon, évidemment, on pourrait se dire, oui, mais la logique du bon père de famille qui gère sa famille, il faut la mettre en place et on peut dépenser que ce qu'on gagne, bon, blablabla, on a déjà entendu 100 000 fois ça. Donc finalement, pour mettre en place une gestion saine, ce serait à chaque pays d'organiser un peu à sa manière. Bah, sauf que ça, on voit que ça ne marche pas du tout, parce que le fonctionnaire européen, il précise, le projet de budget prévoit un taux de croissance nominale des dépenses primaires nettes de 1,6% supérieur à la hausse maximale recommandée de 1,4%. Donc tranquillement, dans son bureau, il envoie des préconisations pour bien montrer en fait que lui s'en fout des dépenses et qu'en clair, la baisse structurelle de la dépense publique, alors baisse de dépenses pour les services publics, ça veut dire moins pour les hôpitaux, moins pour les écoles, etc. etc. Donc il regarde que ça, et bien évidemment, il ne regarde pas tous les cadeaux qui ont été faits, tous les cadeaux fiscaux qui ont été faits pour les plus riches. Il regarde juste ce qui est dépensé. Donc en fait, ce qu'on voit ici, c'est qu'au nom des traités européens, ce fonctionnaire, il demande simplement la baisse des dépenses publiques et finalement c'est la seule finalité des soi-disant recommandations européennes. Donc en fait c'est ça, la philosophie de la construction européenne actuelle et c'est ce qui fabrique la dictature éclairée des traités. Donc c'est en ça qu'il ne faut pas hésiter à y aller, quand on parle de traités, on parle bien d'une forme de dictature éclairée. Liée à l'Europe, tout récemment, on se rappelle les propos de Nicolas Hulot qui dit bien pourquoi est-ce qu'il démissionne. Il dit que c'est parce que dans le cadre de ces traités, dans le cadre de ces politiques d'austérité, jamais on pourra mettre en place une politique qui défende véritablement l'écologie. Alors l'urgence écologique, nous on la met au premier plan, parce que ça c'est quelque chose, et là encore récemment, tous les grands spécialistes sont d'accord, il y a même plein de députés En Marche qui sont d'accord, et il y en a quelques-uns qui ont pris part à la marche pour le climat. Sauf qu'après, dans l'hémicycle, ils vont voter tout, et ils vont voter le contraire. Alors, en tout cas, on se dit bien que c'est une énorme urgence, sauf que, toujours pareil, dans le cadre de ces traités, c'est impossible de mettre en place. Donc ça, c'est une première chose par rapport aux traités. Autre élément qu'on pourrait entendre, « Ah, mais vous êtes bien gentil, je vais un peu les singer,
Dis-donc, France Insoumise, vous voulez sortir des traités, mais en gros, vous êtes un peu tout seul. Et sortir tout seul, dans l'Europe, on ne peut pas le faire. Alors, il y a eu l'épisode du Brexit qui n'est pas terminé. Nous, ce qu'on propose, c'est pas de sortir complètement de l'Europe, mais on veut sortir des traités. Ce fameux tout seul, là encore, on peut largement le contester. On a deux exemples qui montrent que certains pays ont choisi de ne pas respecter ces traités. C'est l'Italie et l'Espagne. Voilà, et ça, c'est vraiment tout récent. Et le Portugal. Oui, et le Portugal, sur encore un autre cas. Sauf que l'Italie et l'Espagne, ce qui est intéressant, c'est qu'eux ont déjà reçu, en fait. Ça y est, ils ont envoyé leur budget et ils reçoivent les retours de « Ah, mais attention, votre budget, il est pas assez bien, il ne correspond pas complètement à ce que nous, on souhaite mettre en place. » En tout cas, il y a deux exemples. Du côté d'Italie, ce n'est pas véritablement notre modèle idéologique. Et d'autre côté, donc en Espagne, c'est Podemos. Et donc, les deux budgets ont été déposés. Et pour l'Italie, il a été retoqué par Pierre Moscovici, qui est en charge de gérer ce type de budget. Mais on voit bien que, quand même, c'est possible de mettre en place. Alors, je vous passe, parce que leur file, sur les préconisations, mais si on prend le cas de l'Espagne, il y a des mesures qui ont été mises en place qui correspondent à des mesures sociales et solidaires. La hausse du salaire minimum, la revalorisation de toutes les pensions en fonction de l'inflation, par exemple. Sauf que là encore, ça n'intéresse pas Moscovici en particulier. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que la France, si Mélenchon avait été élu, nous on aurait déjà engagé la transition écologique. Il y a eu le contre-budget de la France Insoumise présenté lundi dernier qui montrait bien que 30 milliards auraient été alloués pour la mettre en place. Et on n'aurait pas été tout seul puisqu'on aurait pu compter sur l'Italie qui est la troisième puissance et l'Espagne qui est la quatrième puissance. Donc quand même, c'est pas rien pour aller peser et pour aller négocier à Bruxelles. Donc tout ça, c'est des bonnes nouvelles, parce que il y a des réflexions sur plan A, plan B, comment c'était par rapport aux européennes, comment est-ce que ça évolue par rapport à aujourd'hui, mais ça montre bien que il y a une opposition qui s'établit vis-à-vis de ces traités, et que donc on n'est pas tout seul et qu'on a raison de le proclamer. Donc c'est des bonnes nouvelles, hein, vraiment, quand on veut débattre de l'Europe, quand on ne se réfugie pas derrière une espèce de conviction européenne de vrais Européens, parce que ça aussi, ça va nous être renvoyé. Vous voulez sortir des traités, vous n'êtes pas de bons Européens. De la même manière, c'est aussi une forme d'opposition à ce que fabrique en ce moment l'Union Européenne, c'est-à-dire la montée de l'extrême droite. Donc c'est en ça que, vraiment, dès maintenant, on peut agir, on peut entrer en campagne. Alors on sera 79 têtes dures à partir en campagne pour porter le programme lié à la France insoumise. Et entrer en campagne, ça veut dire quoi? Ça veut dire essayer de faire en sorte qu'enfin advienne l'ère du peuple, qu'advienne un monde solidaire et que soit mis en place un internationalisme généreux, un internationalisme qui fasse barrage, qui s'oppose à l'extrême droite et que enfin on arrive à mettre en place notre programme, enfin un programme qui cherche les jours heureux. Donc pour ça, on va avoir besoin de tout le monde. Et dès maintenant, vérifiez autour de vous que vos proches sont bien inscrits sur les listes électorales. Et puis, dans quelques mois, il faudra voter et faire voter pour la France insoumise. Voilà. Bravo.